Alice. Oui, alors attendez, j'arrive. Ah, j'ai plus d'argent. Je vous ai déjà tout donné. Il est pas d'argent. Permettez. Allez-y. Venez. Rentrez, monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci bien. Ah, on peut même plus faire notre trafic tranquille. Arrête-toi, c'est pas vrai. Ah bah, monsieur, on peut vous tomber bien, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, là. Eh bah, on vient chercher les tacs. Ah, j'ai déjà payé, moi. Vous êtes en retard, déjà. Non, non, vous avez pas payé, non. Ah, c'est y'a que moi qui cherche les tacs. Oui, j'étais voir le roi avant. Non. Le roi m'aurait prévenu, je suis avec lui juste avant de venir ici. Ah, eh oui. Ah, vous voulez pas payer la taxe de noter. Moi, payer les taxes. Ah. Je suis pas, monsieur, je suis pas. Cadet, vous notez? De toute façon, on a deux semaines pour payer une taxe, donc. Très bien. Ah bah non, vous avez dit non, donc moi c'est pas mon problème. Non, de quoi non? Bah non, vous avez dit deux semaines pour payer une taxe, donc je prends deux semaines pour payer une taxe. Ah non, c'est le roi qui l'a dit. Moi je vous ai dit, vous voulez payer la taxe, vous m'avez dit non. Bah voilà. Oui. Moi ça me va. Aujourd'hui alors, madame la guérisseuse, on va pas vous demander de taxe à vous, hein. C'est normal, vous travaillez pour le royaume. Bon, j'ai plus quoi. Oh. Mais moi j'ai pas de maison personnelle. Ah bah c'est encore mieux. Moi, voilà. J'ai... On va pas demander une taxe pour l'hôpital quand même. Bah j'habite dans l'hôpital du coup, hein, parce que... Ah oui, c'est pour ça, c'est ce que je disais. On va pas demander une taxe pour l'hôpital, ça se fait pas. Du coup, il y a qui a payé? Kira. Ah non, moi j'ai pas encore payé, j'ai pas du tout, je suis encore loin d'avoir les fonds, donc ça va se faire dans les deux semaines qui vont suivre, vous inquiétez pas. Et mais là, je peux pas. Par contre, petite question vite fait, comment ça se passe? Je viens directement au commissariat quand c'est bon? Oui, vous pouvez venir me voir directement, d'accord. Ou... Le mieux c'est moi parce que c'est moi qui prends note donc. D'accord. Et vous êtes là tout le temps ou non? Il y a des. Tous les soirs. D'accord. Okay. Mais les agents là, je voulais savoir une petite chose. On était en train de discuter avec nous, mais qui a de l'argent réellement? Moi. Oui, parce que alors ça on est un peu perdu par rapport à ça. De parler avec ces éleveurs. Avec ces éleveurs. Écoutez, je vais vous dire, il y a déjà. Non mais. C'est personne qui a payé. Oui, mais ok, mais donc ça veut dire que c'est amical, hein, la conversation que j'ai, que je disais. Le bergiste me disait qu'il travaillait à perte à l'heure actuelle. Moi, je travaille à... j'ai pas vraiment... j'ai pratiquement pas grand-chose, hein. Dans les caisses d'hôpital, il y a 1500 pièces, je crois. Ici, on discutait, ils ont pas de crédit non plus. Donc, il y a forcément des gens qui ont cumulé beaucoup d'argent. Mais oui, il y a une petite minorité qui a. Oui, mais c'est ce, oui, c'est okay, ce qu'on, oui, mais c'est ce qu'on disait. Mais ils doivent. Je suis à votre droite. Oui, non, ok. Oui, oui. Mais ceci dit, apparemment, il est un des rares à avoir de l'argent sur 800 000 qu'il y avait dans la caisse dans le nord. Moi, j'en connais beaucoup qui ont pas grand chose. Donc, ça veut dire qu'il y en a. Qui ont cumulé beaucoup. Bah le truc c'est qu'après le roi je sais pas ce qu'il fait de son argent donc je peux pas vous dire. Moi du temps que j'étais facteur j'étais pas pauvre non plus. Oui. J'étais pas richissime, hein. Et après j'ai dépensé plein d'argent, j'en ai perdu pas mal aussi dans les animaux, donc j'ai même donné de l'argent aux nouveaux arrivants en leur disant de construire ça et au final je me suis servi de rien et ils ont gagné de l'argent. D'accord. D'accord. Ah, parce qu'on se posait la question, on a l'impression qu'il y a une répartition qui n'a pas été très, très égale en fait. Hein. Alors, par contre, la taxe a changé, le roi m'a prévenu, c'est 20 000 le village et 10 000 par maison. D'accord, 20 000 le village, ok, ah. Ça marche. Bah, ça me rassure, c'est... Ouh, ça va... c'est déjà mieux. Mais c'est 10 000 par maison aussi. Hein. Comment ça, dans le village, donc comment le village ça, c'est... je comprends pas là. C'est 20 000 la construction et 10 000 par maison, donc à mon avis, vu que la construction est déjà faite, on va compter que 10 000 par maison. Ouais, non, mais là, dans mon village, là, ça compte combien? Là, c'est 20 000. Une, bah ça je considère. Bah, je vais pas considérer ça. Ça, comme c'est les box de vente en fait. C'est les box de vente. Oui, non, mais on va peut-être pas faire les enfoirés. Et non, il y en a là-bas au fond. Ouais, mais alors attendez, là, peut-être que celle. Par contre, juste celle-là, petite question vite fait, monsieur. Par rapport à celle-là, la forge qui est là-bas. Mon ami, en fait, j'ai un ami à moi, donc monsieur Patou, qui a beaucoup de problèmes ces derniers temps pour se réveiller. Il a quelques soucis par rapport à ça. Donc il faut que je rentre en contact avec lui par la suite et je sais pas s'il va revenir. Donc celle-là, peut-être qu'elle va être détruite, juste celle-ci là. Parce que ça, c'est la forge de monsieur Patou et peut-être qu'elle va être détruite. Mais il faut que je voie avec lui justement s'il arrive à se réveiller ou pas. Bah, si monsieur Patou revient, il viendra payer sa maison. Ouais. En attendant, vous d'accord. Devez payer juste la vôtre. D'accord, ça marche. Et vite fait, petite question. L'infirmerie, non, l'infirmerie, c'est bon, c'est pas considéré comme. Non, l'infirmerie, non, on va pas la considérer comme une maison. Donc pour vous, là, ça non, fait non. Combien là, donc, ça là... Plus, d'ailleurs. Ouais.
Bah du coup ça vous fait 10 000 et je vais voir avec le roi s'il faut payer les 20 000 ou pas. D'accord, bah je vous remercie beaucoup. Donc je note Madame Kira dans 2 semaines. Oui. Enfin vous allez. Oui, dans les 2 semaines, vous inquiétez pas. Si vous avez besoin qu'on aille chercher le reste des structures de Monsieur Ziggy, vous me faites ça. Mais justement j'y allais après. Ah oui, il avait l'air de vouloir prendre des vacances. Ah attendez. Oh, je vais faire un arrêt cardiaque un jour. Monsieur Kat. Oh là 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 là. Mon dieu. Eh merci. Allez-y, allez-y. Bonjour. Bonjour. C'est Madame Phillips. Non, ah bon. Ça c'est un Madame docteur Phillips. Yusser. Ok, oh, Monsieur Katsumoto, vous avez une très bonne mémoire. Pas la même personne. Et tout à fait. Bah écoutez, Madame Yusser, je l'ai accueillie. J'ai fait les papiers avec elle. Et puis oui. J'étais la première personne qu'elle a rencontrée, on va dire, à tout son exercice de sa fonction. Vous avez vu, il est gentil, Monsieur Katsumoto. Oui, très gentil. Moi aussi. Non mais oui, vous êtes très gentil aussi. Vous êtes très très gentil aussi, je vous rassure. Mais non, bah vous savez, ça c'est l'exercice de la fonction. Je dois quand même me rappeler des concitoyens. Bah vous savez, tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas gentil, si vous voyez ce que je veux dire. Comme Monsieur Hiroto. D'ailleurs, il est où le Scar ? N'est pas le pire. Il est avec Tony. Il aide Tony à installer, vous savez, la table de l'hôtel des ventes parce que Tony sait pas trop comment faire. Ah, c'est une blague. Ah, vous avez bien fait de me dire ça. Lieutenant, je suis désolé, mais je dois aller à l'hôtel des ventes, c'est mon métier maintenant. D'accord. Vas-y, ouvrir la porte, s'il vous plaît. Okay. Elle est ouverte normalement. Ah, bon, il a des clés. On l'a. Oui, c'est bon, elle est déverrouillée normalement. Ça fait un moment quand même qu'on vous a pas vu. Hein. Mais écoutez, je suis. Bah, vous savez, depuis la mort de Gizzy, je vais pas vous mentir, moi ça allait pas bien. J'ai un peu sombré. Pendant plusieurs jours, c'était pas évident pour moi. D'ailleurs, Monsieur Katsumoto, vous avez vu le lifting ? Le lifting, c'est-à-dire les dreads ? Non, venez voir. Ah, venez voir, monsieur. Hein. Bon. Bah, c'est pas ça, c'est que bon, ça fait un petit moment, il y a plein de choses qui changent, voilà quoi. Venez voir. Alors, là, vous voyez pas le lifting qu'ils ont eu ? Il y a une drôle de tête, c'est pas pareil ça. Bah oui, il y a eu un petit, lifting. Je crois que c'était une tempête à midi, du coup il y a eu un petit. Dites-moi, est-ce que vous me permettez de passer au-dessus ? Oui, bien sûr. Bah allez-y, Monsieur Katsumoto. Enfin, vous êtes grand. Moi, à chaque fois, je me mange la barrière. Bah, si vous voulez savoir, la barrière, elle arrive. On va remonter aux ans. Mais oui, je vois. Et c'est pas mal. Et ils ont une bonne gueule. Vous aviez pas encore vu ? Bah non, bah 2 jours, si vous saviez, Dame Kira. D'accord. C'était la course. Je courais dans tous les sens. C'est vrai. Partout. Les papiers, les permis, tout partout. Oui. Ça m'a rincé. Hier, c'était un peu plus tranquille. Oui. J'ai essayé de courir. Puis ce soir, ça va mieux. Ah bah tant mieux, ça vous permet un peu de respirer au moins. Ça fait un peu de bien. Mais bon, il y a quand même le travail. Et puis le roi qui accueille des sudistes. Oui, alors, ça s'est bien passé. Peut-être bien accueilli. Tiens, Dame Lucera, vous êtes bien au courant de ça, hein, je crois. vous avez fini dans le sale état, heureusement que vous êtes docteur. Tout à l'heure, mais... Oui, bah heureusement que c'est redescendu. Hein. Parce que Pitaine, ça a fini en orzi. Bah, moi, je me suis pris un coup le mur de ma clôture, et puis j'ai fini comme une mousse. Une mousse, hein. Franchement, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai fait... Alors, j'ai sauté. Oui. J'ai sauté avec le parachute. Et il y avait le mur. Oui. Le mur. Bah moi j'ai fait quoi ? J'ai sauté, je suis allé voir le mur. Le mur est allé me voir et ça a fait ça. Oh merde. Poussé. Vous avez pas eu trop mal et ou par ça contre, va ? Bah j'ai fini dans le coma. Ah oui quand même, ok, d'accord. Et je pense en fait c'est l'aérodynamisme avec la vitesse qui a fait que j'ai fait... Oh là là, pourtant vous aviez le casque hein, mais comme quoi... Le casque, ça suffit pas des fois. Ouais. Alors, par contre, petite question, excusez-moi. Monsieur, c'est quoi votre nom à vous ? Comme ça, je connaîtrais, parce que je connais Monsieur Katsumoto. John, ok. Oui. Comme ça, je retiens, parce faut que savoir, hein. Comme ça, je connais un petit peu. Là, on a des nouveaux concitoyens. D'accord. Et on a également de nouvelles recrues. Oh. Donc, le cas des zones, ici, présent. D'accord. Qui fait vraiment un très bon service depuis qu'il a été recruté. Attendez, John, c'est le monsieur qui a castré ? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Non mais comme ça, moi, je retiens le nom, vous voyez. Oui, oui, ça sera plus facile. Ah, c'est le monsieur qui a la main qui glisse. D'accord, ok. Ouais, donc voilà, et ensuite, on a une nouvelle recrue. Oh, donc, une fille. Dame. D'accord. Tout à fait, Dame Ksuna. Ksuna ? Eh oui.
Xuna. Ouais. D'accord, ok. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord, donc, bah, c'est excellent, prend ça. Prend pas son service aujourd'hui. Elle prend pas son service aujourd'hui, je crois, parce qu'elle a une petite empêchement. D'accord. Elle va le prendre demain. Et si vous voulez savoir, bah, c'est la sœur. Oui. Bah, c'est la sœur de Lyra. Lyra, c'est une dame qui a fait une intervention en disant qu'elle avait construit une petite maison en dehors du village. D'accord. Avec la sœur. Ok, d'accord. Bah, c'est ça, excellent, c'est... ça. Voilà. Et je vous prie de m'excuser. Et voilà. Je vais prendre un peu l'air. Ça fait un peu. C'est pas chez vous qu'on mange du chien. Ah, vous savez que. Putain, vous avez des beaux yeux, monsieur Katsumoto. Merci, c'est gentil. De quoi ? Bah, vous, je vois pas vos yeux. Vous, c'est compliqué, vous savez. Ah, bah là, je vois. Ici, on a un ankylo qui a 133 ans. Ah bah là, vous avez des yeux verts, hein. Vert, compris, vert, ils vert. Sont pas bah n'importe quoi, je regardais mais la couleur, j'ai des problèmes de... Mais demandez à la dame, c'est pas vrai que j'ai des problèmes de vue. Oui, oui. Ah voilà. Vous vexez pas comme ça, monsieur. C'est plus flashy de voir un bleu comme il a là que le vert, excusez-moi. Non, en plus, je suis à moitié daltonien. Non, je suis brigadier. Mais non, mais n'importe quoi. Arrêtez tout de suite. C'est le tatouage, c'est ça. Je suis trop petit aussi. Mais non. Mais d'ailleurs, monsieur Katsumoto, en parlant de tatouage, il est nouveau celui-là, non? De quoi, bah, au niveau du ventre. Oui, alors. En fait, c'est deux, mais les tatouages sont nouveaux. Parce que les tatouages de. Enfin, ceux de tatouages de Maori n'étaient plus plaisants. Donc on a voulu faire celui-là. D'accord. Un plan qu'on a fait avec le curator. Malheureusement, il est un peu trop bas. Il arrive un peu ouais. En dessous du pantalon, si vous voulez. D'accord. Ce que je veux dire. Pardon pour le petit caca. Oh, allez-y, pas de soucis, c'est une étable. Ça. Ouais. Donc là, après le tatouage sur l'épaule, le tatouage de tribal. Oui. Ok. Et dans le dos, oh c'est le tatouage de la justice. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Ah, c'est vraiment très joli. Que tu sers, et que tu fais attention à la justice du royaume et la justice pour le peuple. Ah ouais. C'est... Et vous mettez pas, sur... vous en faites pas sur l'autre bras, non? Et non, l'autre on le laisse pour l'instant. D'accord. Ouais. On verra ça plus tard peut-être. Et vous, monsieur Latour, vous en avez c'est pas? Ça sera pour la madame Katsumoto. Qu'est-ce qu'il y a? Là, ça sera pour la madame Katsumoto. Tout à fait. Si madame, si ils arrivent à trouver, nous pourrons joindre. Bon, vous allez trouver avec les beaux yeux que vous avez, normalement, il n'y a pas de problème. Bien sûr. C'est gentil. Mais non, mais il boude, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que... Mais revenez donc. Oh. Bon, écoutez. Écoutez, c'était pas méchant, je faisais un compliment à monsieur. Et moi, j'aime bien. Quand quelqu'un est beau ou belle, moi, je le dis. Moi, je le dis, j'aime bien. Vous l'avez pas dit pour moi, donc je suis moche. Mais n'importe, mais il boude, excusez-moi, votre collègue est en train de bouder. Oh. Bah oui, parce que j'ai fait un compliment à monsieur Katsumoto. Bah, voilà, j'ai fait un compliment à monsieur Katsumoto parce qu'il a enlevé son casque. J'ai dit qu'il avait de très beaux yeux. Et il a de très beaux tatouages aussi. Moi, j'aime bien. Bon, c'est mon petit péché mignon. J'aime bien les hommes aux yeux bleus avec des tatouages. Tout de suite, il l'a mal pris. Il est parti. Vous voyez, regardez. Bah, j'aime beaucoup vos cheveux. Moi, j'ai les cheveux bleus. J'ai pas les yeux bleus, mais j'ai. Voilà, bah voilà, bah, vous avez quelque chose de bleu. Et bah, votre collègue l'a mal pris. On a l'habitude de vous voir avec vos casques. Mais voilà, bah, c'est ça. Donc, quand on l'enlève, on découvre forcément la personne qui est derrière ce casque. Et monsieur l'a mal pris. Mais c'est que moi, j'ai fait l'erreur de faire un petit peu trop confiance au coiffeur en fait. Ah, pourquoi? Parce que le coloris bleu, c'était pas prévu? Bah non, mais je crois qu'il fallait demander à s'il me remettre ma couleur naturelle de cheveux. Ah oui. Bah là, au moins, vous êtes en raccord avec l'armure. Hein. Oui, c'est que... bon. Bah non, mais c'est. Tu sais que c'est le coiffeur, moi, qui s'est occupé de ma coupe. Ah oui, mais vous, c'est... Ça, ça, ah ça, vous, elle est belle, hein, ça vous va bien. Vous, ça vous aussi est... Oh, mais il y en a pour lui. Ah, c'est bon, mais non, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il va me faire ça à chaque fois. Mais moi, les cheveux bleus, voilà, quoi. Bah, c'est joli aussi, hein. Regardez, la dame, elle a bien les cheveux rouges, et c'est très beau aussi. Ça se remarque, les cheveux bleus, ça remarque. Oui, et j'aime beaucoup ses cheveux, parce que ça lui va. Ça lui va bien, hein. C'est genre... Vous savez, sinon, vous pouvez garder votre queue de cheval, normalement, avec le chapeau. Ah bon? Oui, monsieur le roi l'a découvert récemment. Faut penser très fort au fait de le cacher, le chapeau, et en fait, il reste quand même avec la coupe. Ah, d'accord. Mais alors, par contre, monsieur Katsumoto, vous, ça vous va trop bien. Ouais. Alors, vous, j'adore. Vous bien mais facilement. Comment ça se fait que vous avez les cheveux noirs et la barbe blanche? Mais qu'est-ce qui est un petit. C'est les deux. Ah non, quoique la barbe, non. La barbe, elle n'a pas toussé. C'est juste les cheveux. D'accord. Alors, on est quel âge il avait? Ah, c'est blanche. Bah oui, ouais, quel âge? C'est pas en fait de l'âge, c'est ma pigmentation. Et je vous ai donné en plus mon âge d'âme Yusera. Pas bon. Peut-être que vous ne vouliez pas dire le vrai. Ah non, mais je suis pas menteur, vous inquiétez pas, c'est pas 70 balais. Hein.
Non, ça se... Non, ça, s'il avait 70 balais, je pense que ça se verrait. Eh, mentalement, les connaissances d'une personne de 86 ans, physiquement et réellement, je suis une personne de 30 ans. Ah, physiquement, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, vous êtes tous musclés comme ça dans la police, ou comment ça se passe, là? Parce que, dis donc, oui, monsieur Katsumoto, à chaque fois que je le vois, j'aimerais pas me prendre une tarte. Eh, regardez, le brigadier et toi, regardez la différence. Ah oui, bah oui, il est où, d'ailleurs? C'est n'importe quoi, moi, ça m'énerve. Il a râle encore. Mais non, mais ne vous vexez pas. Je suis sûr que vous avez un très beau corps derrière ce plastron. C'est un bel homme. Monsieur Katsumoto est un bel homme. Moi, j'aime bien les hommes comme ça, d'accord. Mais ça veut rien dire. Chaque homme a son... Mais non, mais... Il faut le dire. Chaque homme a son charme. Je suis un petit peu pâle, ouais. Oui, bah voilà. Oui. Ah, vous voyez. Mais à côté... mais ah oui, un petit peu pâleau. Mais c'est vrai que... attends, oui, mettez-vous à côté de Monsieur Katsumoto. C'est moi, j'ai quand même l'impression que Monsieur Katsumoto, c'est une armoire à glace à côté. Ah oui. Ah oui, oui, tout à fait. Oh putain. C'est ce qu'il semble, hein. Ah oui. Ouais, vous savez pas que c'est que de la gonflette, tout ça. Mais déjà que nous semblons petits à côté. Sony, tu veux essayer? Tu vas voir si c'est de la gonflette. Mais non, ça ira. Tu verras. Après, franchement, j'ai pas à être intimidé à côté, hein, en soi. Hein. Non, c'est vrai que quand on vous regarde, on dirait que vous êtes, vous savez, cousin ou quelque chose comme ça, avec la barbe et tout. Et pas du tout. Ah bah, je sais bien, je me doute bien. Eh ben non, pas du tout. Je n'avais jamais fait le rapprochement, mais... Non, mais c'est vrai qu'on sait jamais, on n'est pas à l'abri qu'un jour, je sais pas, il y a une dame qui arrive, je suis ta mère, et puis bam. Ça y est, tout peut arriver, hein. D'ailleurs, Anthony, tu crois que j'entretiens comment mes muscles? Et je soulève les mammouths, je déracine les arbres. Oh là là. Soulève les mammouths, tu m'étonnes. Ouais, bah c'est à l'ancienne, quoi. Donc moi, je labourais les champs, toi tu fais les mammouths et puis les arbres. Venez, monsieur Latour. Hein. De base, nous devions discuter par rapport au T-Rex. Arrêtez de bouder. Dame Kira a commencé à parler de mon physique et, voilà, et donc ça a dérapé. Oui, bon, bah pardon, excusez-moi, c'est dès que j'ai vu vos yeux. Pardon, monsieur Katsumoto, je m'excuse. Je vous laisse faire. Mais revenez, arrêtez. Arrêtez donc de bouder. Vous savez, chacun, chacun a ses défauts, chacun ses qualités. Vous voulez qu'on aille parler un petit peu en privé? Ah bah, vu le temps de réaction que vous avez eu quand je vous ai fait voir mes yeux... C'est pas en privé. Mais non, vous inquiétez pas. Venez, on va parler plus loin, venez. On va parler avec la dame. Voilà. Donc, ne boudez pas tout de suite, parce que j'ai fait un compliment à monsieur Katsumoto. Alors, je vais pas voir... La dame peut pas en être à côté. Elle a vu des raptors au loin. Je ne les voyais même pas. Alors, pour vous dire, j'ai une vue de merde. C'est une catastrophe. Donc, regardez, j'avais même pas. Regardez, j'ai mis 10 ans à comprendre. Vous avez les yeux verts? Oui. Voilà. Donc, voilà, j'avais pas calé qu'elle avait les yeux verts. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est vert, il y a un problème. Faut pas mal le prendre. Eh ben, si. Faut pas mal le prendre. Chacun a ses qualités. Je donner des maisons, moi. Mais n'importe quoi. Tu vois, vous êtes très très gentil. Alors, ne dites pas le contraire, vous êtes extrêmement gentil, d'accord? Il y en a pas beaucoup des comme. Je veux vous dire, c'est. Mais vous êtes. Je suis gentil, mais pas avec tout le monde. Oui, forcément, après c'est votre métier, vous allez pas être... forcément, faut faire respecter la loi quand même. Donc déjà, non mais vous êtes très gentil. Regardez, j'aurais pas demandé, regardez, admettons à monsieur Jirep, je ne lui aurais pas demandé, vous voyez, de venir démonter la maison avec moi. Bah pourquoi? Bah parce que lui, il est un peu trop... Il est musclé, il a des yeux bleus, il a des tatouages. Non, mais lui, il est un peu trop corps à corps avec les femmes. Ah oui. Il a besoin, vous savez, d'avoir ce contact... Que moi je n'ai pas forcément envie d'avoir avec lui, vous voyez. Seulement avec lui? Non, mais. Parce qu'avec monsieur Katsumoto. Mais c'est pas vrai, et ça recommence, ah bah on est reparti. Je me tue à vous dire, aidez-moi madame. Je me tue à vous dire. Mais je ne sais plus comment essayer de lui expliquer. J'ai arrêté de bouder. Lieutenant, non, c'est pas j'ai vrai. Une idée. Oh putain. Non, mais. Il est insupportable. Monsieur Katsumoto va gueuler à la fin. Et en plus, il est en train de s'entretenir avec Tony. C'est pas vrai. Oh, il est épuisant. Épuisant, je sais pas. J'en connais un qui va se faire rétrograder. Ah oui. Ah bah, si demain on le voit en tant que clochard dans le village, on aura compris. C'est pas possible. Oh, mon Dieu. Il arrête pas, mais il parle d'Hiroto. Mais oui, il parle d'Hiroto, mais je crois qu'il doit être frère, c'est pas possible. Je sais pas ce qu'ils sont en train de raconter. Il aime, il doit aimer qu'on le complimente. Bah bien sûr, mais il est très gentil. Ah bon, bah le voilà. Ah, oui. je veux organiser votre mariage avec monsieur Katsumoto. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il repart? Mais qu'est-ce qu'il branle? Mais qu'est-ce je qu'il... crois qu'il a un objectif en tête. Oh là. Il faut qu'on organise un mariage. Mais c'est pas vrai. Madame Kira et monsieur Katsumoto. Mais non, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ne vous étonnez pas demain de voir des panneaux.
Oh là là, vous savez, je vais voir des fleurs dans mon allée. Puis à ce rythme-là, alors si on le suit à ce rythme-là, après-demain, vous êtes. Écoutez, je suis enceinte. Hein. À ce rythme-là. Mais qu'est-ce qu'ils reviennent à deux après maintenant? Qu'est-ce qu'ils me font? Avec le cadet. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'ils me font? Qu'est-ce que vous faites? Félicitations. Mais non, mais il y a pas de félicitations. C'est le bonheur, hein. Qu'est-ce qu'il raconte là? C'est le monsieur qui est là qui part dans un délire. J'ai jamais dit que je voulais me marier avec monsieur Katsumoto. Bah vous avez pas dit non. Mais non, mais j'ai pas dit oui non plus. Bah, arrêtez, bah écoutez, à ce compte-là, après-demain, je suis enceinte. Non, mais commencez pas. Bah, ça, après, c'est vous qui voyez avec monsieur Katsumoto. Ça, c'est pas mon problème. Ah, bah oui. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que. Mais calmez-vous. Mais oui, vous partez trop vite en besogne, là. Vous voulez marier au village ou mais non, à la capitale? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes curé, vous, maintenant? Non mais vous inquiétez mais non, pas, vous allez finir marié dans un. Mais vous inquiétez, vous inquiétez pas. Mais vous savez, on va tous finir mariés, mais pas pour le moment. Vous avez vu que je suis moche, elle veut me marier dans un. Mais fossé. Non, mais non, oh ça recommence. Ça. Mais non. Mais je n'ai jamais dit que vous étiez moche. John, monsieur John, si vous faites quelque chose. Oui. Faites quelque chose avec votre collègue, je sais pas si. Je vois. Bah oui, s'il vous plaît. Tenez-le. Mais accrochez-le, faites quelque chose, mais. Mais alors, c'est pas vrai, il fait la gueule pour un rien. Mais... Il va raconter à tout le monde. Mais non. Il va raconter à tout le monde quoi? Que je veux le marier dans un fossé. Oh là là. Bon bah alors attendez, vous allez me marier dans un fossé, moi je vais me marier avec Katsumoto. Bon bah voilà. Bon, écoutez, bientôt on va faire une maison tous ensemble, on vivra dans une villa avec une piscine. Hein. J'ai entendu, elle a confirmé, elle a dit oui. J'ai entendu, elle a dit oui. Et n'importe quoi. Mais non. Mais alors. Si. Mais arrêtez. J'ai entendu, je vais me marier avec Katsumoto. Alors... Mais non. Bravo. Youpi. Elle récapitulait ce qui passait voilà, dans votre tête. J'ai récapitulé ce que vous aviez dit. Bah, vous avez confirmé que vous allez vous marier avec Katsumoto et moi avec un fossé. Mais bien sûr. Arrêtez, mais c'est pas vrai, mais vous savez reprendre. Mais monsieur John, mais qu'est-ce qu'il y a votre collègue? Il doit être fatigant au bout d'un moment. Ah, il faut l'attacher. Je crois qu'il est un peu susceptible. Attendez, je vais le ramener au grave. Hein. Oh, allez-y. Ah bah oui, bonne technique, tiens. En plus, vu comme il est léger... Oh. J'espère qu'il a pas entendu, il va le prendre mal. Rapide. Ramenez vos miches ou je vous ramène au grappin. Ramenez vos miches au pas des dames, sinon je vous ramène au grappin. Attendez, vous voulez me ramener à quoi? Il n'a pas l'air très futé. Allez, pop hop. La mais il n'y a pas besoin de couleur d'état. Ou bleu comme les yeux de Katsumoto. Ah écoutez, verte avec vos beaux yeux. Ah bah non, bah là vous avez pas le droit madame. Bah pourquoi? Vous êtes la femme de mon lieutenant. Vous êtes bientôt la femme de mon lieutenant. Je vous fais un compliment si vous êtes pas content. Vous êtes déjà marié. Ah bah oui, mais non, voilà, vous êtes promise à quelqu'un donc. Mais arrêtez votre délire là. Enfin, il faudrait peut-être déjà demander son avis. Bah oui. Monsieur. Ah bah il a gardé un bras pour une femme. Mon bah avis, oui, bah c'est pas écrit dame Kira hein, sur le bras. Quand ça serait écrit dame Kira, on verra peut-être, mais là c'est pas écrit. D'accord, il y a pas de problème. Cadet, vous pouvez aller chercher un pinceau, s'il vous plaît. Mais non, il comprend pas que chaque homme a son charme. Il comprend pas. Tout ça parce que j'ai dit et tout de suite. Allez, bah, alors, mais c'est marrant, tiens. Il me pète pas un câble. Il me pète un câble pour Monsieur Katsumoto. Alors j'ai dit à Monsieur John que je trouvais ses cheveux magnifiques. Et il dit rien. C'est marrant, ça. Exactement. Attendez, on va voir sa réaction. Pas, ouais, attendez, je vais faire un petit compliment après. Il est où? J'espère qu'il n'est pas parti sur... Monsieur John, oui, j'aime bien votre oui, barbe, donc, comment elle est faite, Monsieur John. Et merci ah oui, beaucoup. Mais non, elle a... Ah. Ah. Et je vais faire part de ça à mon lieutenant, hein, cadet John. Bon, écoutez... D'ailleurs, si je puisse me permettre, cadet John, vous ressemblez à un village people avec cette barbe. Eh oui, mais c'est le coiffeur, il a appris. Oui, c'est vrai que ça fait un peu une petite chanson que j'ai dans la tête là. In the Navy. Mais vous avez une très belle voix. Mais oui, d'ailleurs, tiens. Vous avez le droit, vous êtes pas promise. Non, mais il mais mon cœur est déjà pris. Mais mon cœur est déjà pris. Ah, à qui? Bah alors. Au fossé? Pardon. Non. Bon. Mais enfin, vous oh, non, c'est pas vrai. Ah non, mais attendez, revenez, regardez la belle ça femme. Ça commence à être intéressant. Regardez la belle femme que c'est. Arrêtez, commencez pas. Elle est promise à qui? Votre cœur est pris. Moi la femme. Oui. C'est moi la femme. Non, mais pas vous ah, la mais femme, non. Mais non. C'est pas vous ce que vous avez dit. Dire, je vous parlais de madame qui est là. Je disais que c'était une très belle femme. Vous avez dit mon cœur est déjà promis à quelqu'un. À qui? Madame la truite arc-en-ciel.
Quel joli nom. Et c'est Madame Philippe. Attendez, c'est la truie d'arc-en-ciel ou Madame Philippe? C'est les deux, c'est son petit surnom que tu lui as donné. Ah, Philippe, ton truite arc-en-ciel. La truite a un nom. C'était parce que l'autre fois, elle est tombée à l'eau, je l'ai repêchée, j'ai dit, oh, c'est une belle truite. Ah, bon bah, c'est oh, bah, des compliments, vous en faites comme vous voulez, hein, c'est des jolis compliments. Chacun a ses petites phrases. Mais c'est joli, une truite arc-en-ciel, bah, ça brille dans l'eau. Bah, vous saviez, vous auriez pu dire un dauphin, déjà, ça aurait été bon. Eh ben, je lui ai offert un dauphin arc-en-ciel. Non, mais vous savez, la truite, parce que genre vous appelez votre femme, genre ma truite, viens là, ma truite, fais-moi manger, vous savez, ça peut être mal pris au bout d'un moment. Et du moment que je dis bien truite et pas truite, c'est le principal. Oui. Après, ça dépend si elle a le physique d'une truite ou pas. Ah bah non, elle est très jolie, madame truite arc-en-ciel. Ah, bah, donc, madame truite arc-en-ciel, bah c'est laquelle, ça, je l'ai vue ou pas encore, moi? Je sais pas. Elle est dans le village? Mais oui, c'est qui, voyons. Mais quand on vous amènera au roi avec monsieur Katsumoto, vous voulez des chevaux ou... Oh, putain. Il faut que je parle à monsieur Katsumoto, ça va. Monsieur Katsumoto, venez. On est en train de parler de vous. S'il vous plaît. Ah, ils sont en train... voilà. Monsieur Latour... Félicitations. Oh non, c'est pas vrai. Monsieur Latour est en train d'organiser notre mariage. Faites quelque chose. Et pourquoi notre mariage? Parce qu'il est persuadé que vous vous mariez. Madame vous drague beaucoup, je trouve que vous faites un joli couple. J'ai dit que c'était un bel homme. Commencez pas. J'ai pas dit que je voulais me marier avec lui. Ah ben voilà. Vous êtes un bel homme, vous êtes bien bâti et vous avez de beaux yeux. Mais toute femme... Logiquement, trouverait ce monsieur bien bâti. Bah voilà, moi je la trouve très belle. C'est pas pour autant que je vais me marier avec la dame. Ah bah monsieur Katsumoto, il y a de la place pour marquer deux noms sur votre bras. Oh là là, mais c'est mort. Il me fatigue. Enfin, voyons. Et ton raisonnement, il est assez tordu, tu vois. Parce que Dame Kira me complimente. Dame Yusera me complimente aussi. On va pas faire ménage à trois, hein, tu le sais. Voilà. Ah bah vous, et pour l'instant, vous ce sont des compliments. Voulez, hein, lieutenant. Et pour l'instant, et ce si sont je, des je, compliments. Ah bah je sais. Et je veux que mon lieutenant se sente bien, donc je vais vous organiser un dîner romantique. Bon, écoutez. Écoutez, monsieur Latour. Écoute, mais oh putain, qu'est-ce qu'il me fait? Revenez. Calmez-vous. C'était pour que vous couriez vous après, voyez. Vous faites peur, bah oui, dis donc. Après le cochon? Vous allez bientôt devenir la truite arc-en-ciel. Bah oui, en plus. Et oui, on pourrait faire un double dîner, monsieur Katsumoto, j'y pense. Non, mais si une chose. C'est que, à mon domicile, j'ai une place à l'intérieur et également un espace à l'extérieur pour recevoir du monde. Si je veux inviter ces dames à faire un dîner voilà. Avec moi, je peux le faire. Bah oui, mais moi je vous propose de faire le service. Vous faire manger, vous donne à boire, j'allume les bougies, tout ça, tout ça. Je tiens même à la chandelle. Ah, vous la tenez. Allez donc retrouver votre truite arc-en-ciel, voyons. Bah, elle est partie dormir. Pas besoin d'organiser demain, parce que attention, monsieur Katsumoto, il était en train de préparer les chevaux et tout. Hein. Il voulait aller prévenir le roi d'un mariage ah, et tout. Fais, hein. Je fais pas les choses à moitié. Et là, moi, je veux le bonheur de mon lieutenant. Ah, mais non, mais je comprends bien, je suis bien d'accord avec vous, c'est bien gentil. Écoutez, là pour... Regarde, vous emmerdez même le Rex. Allez, voilà, vous voyez. Ça, c'est des coups, vous allez lui mettre la constipation. Vous pouvez le servir au banquet. Et vous le faites aussi, ça c'est le cas de le dire. Oui. Et Kali, vous ça, le toussez pas. Kali, oui. Vous le toussez pas. Ah oui, lieutenant, on voulait vous demander quelque chose. Est-ce que vous trouvez que le cas des jeunes ressemble à Village People? Oui, on a... Vous savez, YMCA. C'est quoi ça, YMCA? Vous connaissez pas YMCA? C'est une chanson paillard, vous savez, des deals. Eh non, mais c'est le coiffeur, elle a pris trop de liberté avec... Pas de bol, parce que le coiffeur aime les hommes aussi. Eh ben, j'arrive à ça au plus vite. Ah, faut laisser pousser, hein. C'est comment ça, pas... Ah non, je vois bien le coiffeur avec un chapeau de plume. Ça, c'est charme. Et monsieur Hiroto, qui est lui architecte, lui, je le vois bien avec un casque de chantier. Non. Nous allons reconstruire le village. Ah oui, ah oui. Et puis c'est pas pour rien qu'il y ait la scène dans la taverne. C'est pour qu'il se reconstruit. On va reconstruire les village people, on va reconstruire le brigade commissariat, on va reconstruire tout, on se punit, c'est pas possible. Ah oui, bah là, oui, c'est ce qui va arriver. Par contre, il faut que je trouve le quatrième. Oh, vous faites quoi demain après-midi? Non, ça ira, merci. Il recrute. Bah attendez, bah on est bête, vous? Bah non, moi je suis moche à marier avec un fossé. Donc mais non, mais n'importe quoi, vous êtes avec Madame Truite Arc-en-Ciel. C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure.
Bah oui, mais vous avez dit que j'étais moche comme un procès. Je sais pas. Que j'étais moche comme un... Ah bah ouais, vous embrouillez dans votre connerie. Vous embrouillez, monsieur, dans votre connerie. Vous embrouillez tout seul. Bon, moche comme un fossé. J'ai dit chacun a son charme, c'est tout. Est-ce que vous voulez qu'on aille récupérer vos maisons? Bah oui, on va y aller, on va y aller. Et puis si on trouve un fossé, on envisagera. Non mais c'est pas... Monsieur Katsumoto, oh, tiens. Y a pas quelque chose à faire pour lui? Bah écoutez, moi franchement, pour l'instant, je dis rien. Y a pas d'acte déplacé. Ça me fait bien rire en tout cas, qu'il souhaite nous voir mariés tous les trois. Ça c'est pas mal. Ça sera une première, je crois, dans la capitale. Un ménage à trois, ouais, dans le royaume. Oh là là, il va y avoir un mariage gay, hein. Bah, pourquoi pas, oui, ah bah oui, pourquoi pas. Et au moins là, c'est avec des femmes et des hommes. Non, des femmes et un homme. Enfin, avec des femmes et un homme, oui. Et le fils de monsieur Katsumoto. Donc il faudrait être, en tant que belle maman, il faudrait être très gentil avec. Ouh là 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 là. Bah écoutez, j'ai jamais été méchante, hein. Ah bah, moi je traite très bien mon cheval, hein. Bah voilà. De toute façon, mais le fils de monsieur Katsumoto n'est pas un cheval. Non mais de toute manière, si elle me traite avec douceur, pas comme le Kadezon il a pu faire avec l'ours. Ah bah c'est sûr que si moi, je vous traite comme ça, vous allez pas faire long feu, monsieur Katsumoto. Ça c'est sûr. Je suis sûre que d'un coup. Ah, c'est vrai que là, en termes d'enfant, là, il y aura jamais de. Il y aura rien. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'après. Je suis désolé, Cadet John, je crois que ça va vous suivre un moment, cette histoire. Ah, je crois, oui. Et il y a quoi, sûr. Moi, j'aime bien parce qu'il commence à parler d'enfant, je suis content. Le petit frère, le petit fils de M. Katsumoto va avoir des petits frères. Non, mais. Où c'est? Mais on n'a jamais parlé de petits frères. Mais pas du tout. Mais sauf qu'en fait, si cette sauce, elle arrive de passer un peu trop près de la caresse dessous le pantalon, après ça risque de parler un peu par le sang, mais moi, ah oui. Ah là, c'est vrai que... Oh, attention, un animal sauvage derrière. Attention, attention. Ah. C'est le quatrième village. Ah oui, c'est le... Oui, il est là. Bah oui, vous êtes pas au courant, vous êtes... Non, mais lui, c'est le chef de chantier. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais oui, c'est le troisième. Mais oui, c'est vrai. Oh là là. Oh là là. Quelle histoire. Est-ce que vous pourriez dire à monsieur Ego de venir avec une coupe, un chapeau avec des plumes et la peau rouge? Et Tony, est-ce que je peux te voir aussi, s'il te plaît? Oui, vas-y. Ben nous, on va aller au village de monsieur Ziggy, hein. Oh, c'est, ben, anciennement Ziggy. Guizzy. Je voyais les montures de tout le monde, mais je voyais personne en fait. Si, si, non, mais c'est qu'on était au fond. On a organisé le mariage de monsieur Katsumoto. Oh non, c'est pas vrai. Le mariage de qui? Mais arrêtez, voyons. Fossé. Alors ok, je t'explique vite fait là, parce que monsieur est jaloux. En fait, en gros, tout à l'heure, monsieur Katsumoto a enlevé son casque. Et je lui ai dit, vous avez de beaux yeux, et vous, franchement, vous avez un beau visage. Mm-hmm. Tout de suite, ça ne lui a pas plu, il est parti, en gueulant en moitié. Lui, il a enlevé son casque. Et lui, il a les yeux verts. Sauf que vu que j'ai du mal à voir, sur le moment, je ne voyais pas la couleur. Du coup, il y a eu un grand blanc. Du coup, il l'a très mal pris, s'est vexé, il est parti. Et tout ça parce que j'ai dit que monsieur Katsumoto était un bel homme, ça ne lui a pas plu. Et là, il est parti dans un délire où il est en train d'organiser mon mariage. Ensuite, la dame à côté a dit que c'était un bel homme aussi. Bam, voilà, mariage à trois maintenant. Voilà, donc vous commencez à comprendre le bordel. Ensuite, pour rigoler, je sais plus ce qu'elle lui a dit, elle a parlé de fossé, machin. Lui, il est persuadé qu'il va se marier avec un fossé. Alors qu'il est avec madame Truc. C'est compliqué. Vous n'êtes parti que 30 minutes, monsieur Hiro. Donc voilà. Il veut reconstituer les villages. Ah oui, et aussi, voilà. Parce qu'en fait, il a dit que monsieur John, là, quand on le regarde, il trouve qu'il ressemble au policier des Village People. Donc du coup, on essayait de reconstituer un petit peu la. C'est Bran à côté, hein, mais bon. Oui. Oui, non, mais j'ai réglé ce problème, là. Comme ça, et vous, on vous voit avec une casque de. Et vu que vous êtes l'architecte général, on va dire, entre guillemets. On va vous mettre une casque jaune de chantier. C'est ça et peut vous être quoi parti. Ah bah si. Non, non. Ah bah monsieur non. Ego a déjà la coupe. Mais c'est Pedro. Bon, Tony, on va aller avec monsieur Latour. Avec la dame, ouais. Elle avait envie de venir. Hiroto, tu veux venir? Ouais, vu que j'ai pas grand chose à faire. Moi. Ouais. Il y a beaucoup à ramener. Bah, monsieur Latour a vu ce qu'il y avait. Monsieur Latour, il y a pas mal de choses quand même. Mais vaut mieux avoir des chevaux qui portent bien ou des trucs qui. Ouais, je vais prendre le mammouth. Ouais, il faut prendre le mammouth, là on n'a pas le choix. Ah, mais attends, vous voulez passer par le pont? Non. Ouais, oui. Mais t'as pas un truc. Ah, oui, bah je vais prendre l'iguanodon alors. L'iguanodon il porte beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez me montrer, Tony? C'est vous juste près de la stèle, vous allez comprendre. C'est quoi, je vais vous montrer à quel point il est bien dressé, le petit. Ah, oui. Ah. Attendez, écoutez ce son.
c'est pas mal. Ah, vous avez vu? Et un autre, un autre. Non, c'est je peux vous dire, le jour où vous arrivez à lui faire faire ça, c'est qu'il vous est très fidèle et que vous l'avez bien dressé. Alors, mon pantalon est parti tout seul. Oh là! Ouais, une première fois, mon pantalon. Mon pantalon a eu peur, je vais essayer de le rattraper. Couvre-lui après. Voilà. Par contre, pense à lui mettre un peu de mentos, parce qu'il pue un peu de la gueule. Ah oui, pas de problème. Ah oui, tiens, du coup, un peu de... Oui, ça marche aussi. Ah, ça, c'est les gencives, hein, une petite inflammation des gencives. Un peu de quoi, t'as dit? Non, il veut mettre du wasabi. Mais non, non. Tiens. Non, ça, c'est pour moi. Arrête avec ton wasabi. Non. Vous en avez de la chance, mon lieutenant. Alors, dis-moi, la tour. Si, oui. Kira, c'est ma femme. Le docteur, Yusera. C'est pour moi. C'est ma seconde femme. Ah bah écoutez, En fait, c'est un par jour, ça dépend. Ah, c'est un médicament. Il n'y a pas de loi qui interdit le mariage. Voilà. C'est une garantie. Surtout que depuis tout à l'heure, la pauvre dame, elle a rien dit du tout. Et la pauvre, elle se retrouve mariée et tout. Si, elle a dit que c'était bon de marier avec un fossé. Allez, c'est parti. C'est parti.